Lors de nos réunions, comme ça, en assemblée générale ou autre, eh bien, on avait émis des idées diverses sur la formation dans le sport. On s'apercevait aussi que beaucoup de gamins se lancent dans la compétition. Et nous, on s'est dit, mais nous, on a peut-être le moyen de faire pour leur montrer, pour leur apprendre à courir correctement. D'où l'idée, à un moment donné, on s'est dit, ben, pourquoi on ne créerait pas notre équipe ? Puis en fait, en regardant les autres sports et la façon dont ils fonctionnent avec les pôles, on s'est dit, nous aussi, on va faire un pôle. On va faire un pôle de trail qui n'existe pas en France. Et on va mettre tous les moyens possibles pour qu'ils aillent loin dans leur sport, mais tout en les préservant. Vraiment que chaque athlète ait un programme précis par rapport à ce qu'il fait quotidiennement, soit par son travail, soit par ses études, par ses capacités, par ses possibilités d'entraînement, et puis aussi là où il veut aller, parce qu'il y a des jeunes qui sont capables aujourd'hui déjà d'aller au championnat de France, puis il y en a d'autres non. Donc nous on les guide, mais voilà. Donc c'est vraiment des programmes individuels. Lutte antigravitaire, poussez bien dans le sol, pousse encore, tu pousses le sol. Non, tu pousses maintenant en fait. L'entraîneur, c'est Pascal Balducci. Le préparateur physique, c'est Sébastien Cornette. Alors eux, ils ont spécifiquement tout ce qui est sportif, entraînement, préparation, etc. Apprentissage de la course à pied, puisqu'on réapprend à courir correctement avec les points d'appui, etc., etc. Donc eux, ils encadrent vraiment tout ce volet sportif. C'est eux qui gèrent les compétitions, enfin qui gèrent les compétitions où on va aller, etc. Un atelier avec la corde à sauter, c'est ça ou c'est tout seul la corde à sauter ? On a ensuite un deuxième pôle qui est le pôle, j'allais dire, médical avec Thomas Lequelec qui est le médecin du sport de l'équipe. On a Julien Risotto qui est le podologue de l'équipe. On a Mathieu Bouffetot qui est le kiné ostéo de l'équipe. Et on a Manon Bohard qui est la nutritionniste. Donc ils sont déjà encadrés toute l'année par ces gens-là qui les conseillent, qui les suivent, qui, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont une demande. Directement, ils sont en contact H24 avec eux. Ce n'est pas des coureurs de longue date, j'allais dire. Ils ont entre 16 et 22 ans, mais pour la plupart, ça fait à peine un an qu'ils courent. Et ça, c'est pour le salé, c'est pour... Les plus, j'allais dire, ceux qui courent depuis le plus longtemps, ça fait 2-3 ans. Mais ils n'ont aucune expérience de la course à pied. Par contre, ils ont des références parce que physiquement, ils sont très bons. Ils ont un potentiel. Alors nous, on les a recrutés de la manière suivante. C'est qu'un jour, quand on a monté ce projet, on s'est dit, eh bien, on va contacter tous ceux qui sont intéressés, mais que ce soit dans les clubs ou le coureur lambda. Et tout celui qui voulait venir faire la détection pouvait. En sachant que dès qu'ils sont inscrits pour les meilleurs, des autres qui les connaissaient se sont dit moi j'aurais peut-être pas le niveau d'un Kevin ou d'un Pierre-Louis ou d'une Louise, etc. Donc ouais, après ils sont déjà sélectionnés entre eux. Ils sont venus à la sélection et là on a créé une sélection vraiment, complète sur leur capacité à courir vite, à courir longtemps, à courir, etc. Et là on s'est aperçu, donc c'est Pascal Balducci l'entraîneur, qui a sélectionné en premier lieu ceux qui étaient aptes à pouvoir intégrer ce team.
Alors, le terme école, c'est un peu gênant parce qu'on n'a pas ce côté scolaire. Par contre, on est là vraiment pour leur apprendre à courir et pour leur apprendre à être bon, à être très bon. Mais vraiment en les préservant. Donc ça, c'est ultime pour nous. Si un gamin, demain, cherche à performer en dévissant un peu des règles, tout ce qu'on connaît sur le dopage, ça, chez nous, ça n'existera pas. Nous, on part sur une ligne claire et précise. On vous apprend le sport au haut niveau avec les meilleurs. On vous donne les meilleurs atouts. Parce qu'il faut savoir que des équipementiers, même comme des grandes marques, ne leur donnent pas actuellement les moyens que nous, on donne à ces jeunes. C'est aussi pour que ça donne un petit peu l'envie partout en France. À des régions, peut-être à des départements, de faire la même chose que nous, d'essayer de faire la même chose que nous, et puis que ces petits groupes qui émergent comme ça se rencontrent sur des compétitions. On va les rassembler, mais pour créer une atmosphère, créer un groupe. Et je pense qu'ils l'ont bien compris, parce que depuis quelques temps, ils sont vraiment très soudés entre eux. Si demain on a un champion du monde à Besançon et que c'est grâce à nous, si demain... Le but, c'est pas à la limite d'être premier au championnat de France, c'est pas le but ultime. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils aient aimé ce sport et qu'on leur ait fait découvrir un sport sain. Voilà. Les partenaires, c'est bien simple. Tout d'abord, la priorité, c'est que sans eux, il n'y aurait pas du tout d'équipe. Elle n'existerait pas, c'est uniquement du sponsoring privé. Alors à savoir que dans les premiers partenaires que l'on a eus, il y a un partenaire déjà depuis quelques temps de Douter de Trail, c'est Proconta, qui était déjà bien intégré dans Douter de Trail via un challenge et qui ont décidé d'aller un peu plus loin et puis de nous suivre dans le projet des jeunes. Avec eux, il y avait également Sport et Neige, qui est un partenaire de longue date et qui lui est le partenaire équipementier du team. On a également l'Eau Vive, les magasins bio L'Eau Vive de Besançon, Dijon, Pontarlier, et qui eux aussi sont des sponsors habituels de Douter de Trail et qui ont voulu adhérer au projet. On a un très gros partenaire qui a décidé vraiment d'investir dans la outdoor et dans le sport trail en particulier, c'est le Crédit Agricole, qui est notre plus gros partenaire financier. Et puis, il y a quelque temps, nous ont rejoint trois nouveaux partenaires, à savoir ici même, Aqua de Lac, la base nautique de Malbuisson, qui a souhaité déjà d'une part donner l'accès à nos jeunes pour la récupération, pour profiter un petit peu de tous les bienfaits de ce qu'on trouve ici, et puis également sur un soutien financier à partir de cette fin d'année 2016. Nous avons également la société Volo d'Haleine qui a souhaité s'impliquer, la Forge des Arts à Besançon, un artisan qui a souhaité lui aussi adhérer à notre projet.